Stéphane, la défaite à Nantes, j'imagine, a été digérée. Vous avez bien pu vous remettre au boulot cette semaine. Oui, écoute, donc c'est une trêve, donc on en profite pour régénérer pour certains, travailler plus pour d'autres, rééquilibrer, tester pour les derniers arrivants, remettre tout en forme, faire beaucoup d'individualisation pour attaquer la semaine prochaine et le match de Nice avec le groupe au complet. Et voilà, on a aussi un match demain amical contre Rodez qui nous servira pour garder le rythme, où il y aura des temps de jeu en fonction des besoins. Donc voilà un petit peu la semaine. Après Nice, il y aura une grosse semaine avec le déplacement à Marseille, le derby, puis le déplacement à Strasbourg. J'imagine dans votre préparation, vous commencez peut-être à l'intégrer ou pas? Oui, bien sûr. Hein, on prévoit toujours quelques semaines en avance pour avoir des effets répercutés sur les semaines qui suivent. Donc le travail qui est fait en amont sur cette semaine, la semaine suivante, nous servira forcément à aborder au mieux cette semaine à trois matchs. Oh, puis ça va descendre de quelques degrés aussi les températures, j'imagine, pour la préparation physique ou même les entraînements. Ça va être plus agréable pour vous pour planifier les choses, non? Après un été quand même assez chaud, quoi. Ben, on espère, parce qu'on a une préparation rarement aussi chaude, que ce soit ici ou en stage. On a subi la chaleur quasiment à tous les entraînements, donc ça demande des entraînements tôt le matin ou tard le soir et forcément une récupération beaucoup plus faible, on va dire, avec des nuits plus courtes ou des temps de récupération entre deux entraînements plus courts. Donc ça demande beaucoup d'adaptation et les effets de la chaleur sont assez néfastes. Donc ouais, cette baisse des températures au fur et à mesure des semaines peut nous apporter que de la fraîcheur supplémentaire. Au niveau des internationaux, tu les récupéreras petit à petit, tu auras le groupe au complet après. Comment tu gères, comme d'habitude, ces internationaux au niveau du groupe? Oui, ben on est en contact avec eux. Après, ça va dépendre de leur temps de jeu, de ce qu'ils ont fait dans leur semaine d'entraînement. Donc, c'est de la gestion au cas par cas. Et en fonction de leur date d'arrivée, c'est les remettre rapidement dans le rythme, dans la récupération, mais dans le rythme sur les derniers jours pour être prêt pour le match de Nice.